Donc, on continue avec George Sand qui, dans sa préface, fait référence aux confessions de Jean-Jacques Rousseau. Alors, avant de lire le texte, je vous avais demandé de faire une petite recherche biographique sur George Sand. Vous avez pu découvrir que, contrairement à ce que l'indique son nom, en fait, c'est une femme, Aurore Dupin, qui a vécu au XIXe siècle. Et en fait, elle a pris ce pseudonyme masculin de George Sand. Car les femmes n'étaient pas du tout considérées comme des autrices. Alors certes, il y avait des femmes écrivains, mais elles étaient reléguées au second rang. Elles ne faisaient qu'écrire des histoires d'amour mièvres et sans intérêt à destination uniquement des femmes. Et donc, prendre un pseudonyme masculin, c'était du coup avoir la possibilité d'avoir une reconnaissance beaucoup plus vaste. Et c'est d'ailleurs, ça a très bien fonctionné, puisque elle a connu un grand succès de son temps avec ses romans. Qui se déroule à la campagne, là où elle a grandi, et qui mettent vraiment en valeur la vie paysanne, les valeurs rurales, la vie proche de la nature. Et à cet égard, son roman le plus célèbre est La Mare au diable, que je vous conseille de lire, parce qu'il est assez facile à lire, et puis il rend bien compte de la vie paysanne à cette époque, même si c'est une vision un peu idéalisée des choses. Alors, on y va maintenant pour le texte de George Sand. Si les pensées des confessions étaient bonnes, s'il y avait devoir à se chercher des torts puérils et à raconter des fautes inévitables, je ne suis pas de ceux qui reculeraient devant cette pénitence publique. Je crois que mes lecteurs me connaissent assez, en tant qu'écrivain, pour ne pas me taxer de couardise. Mais à mon avis, cette manière de s'accuser n'est pas humble et le sentiment public ne s'y est pas trompé. Je souffre mortellement quand je vois le grand Rousseau s'humilier ainsi et s'imaginer qu'en exagérant, peut-être en inventant ces péchés-là, il se disculpe des vices de cœur que ses ennemis lui attribuaient. Il ne les désarma certainement pas par ses confessions. Et ne suffit-il pas pour le croire pur et bon de lire les parties de sa vie où il oublie de s'accuser? Ce n'est que là qu'il est naïf, on le sent bien. Qu'on soit pur ou impur, petit ou grand, il y a toujours vanité, vanité puérile et malheureuse, à entreprendre sa propre justification. Je n'ai jamais compris qu'un accusé pût répondre quelque chose sur le banc du crime. S'il est coupable, il le devient encore plus par le mensonge, et son mensonge dévoilé ajoute l'humiliation et la honte à la rigueur du châtiment. S'il est innocent, comment peut-il s'abaisser jusqu'à le prouver? Je ne fais point ici un ouvrage d'art. Je m'en défends même. Car ces choses ne valent que par la spontanéité et l'abandon. Et je ne voudrais pas raconter ma vie comme un roman. Alors, première question, pour faire un petit rappel, je vous demandais en quoi ce texte est un pacte autobiographique. Donc, toujours, on repart de la définition du pacte autobiographique. C'est un texte qui se situe au début de l'œuvre. Là, c'est bien le cas, puisqu'il s'agit d'un extrait de la préface. Donc, c'est un texte d'introduction qui précède le début de son roman, en tout cas de son autobiographie. Ensuite, elle s'adresse à son lecteur, elle y fait référence d'ailleurs, elle dit « Je crois que mes lecteurs », donc en l'occurrence, voilà, les gens qui vont la lire. Il y a également, elle s'engage, voilà, à être de bonne foi. « Je ne fais point ici un ouvrage d'art, car ces choses ne valent que par la spontanéité et l'abandon. » Elle ne justifie pas vraiment son projet, mais en tout cas, on retrouve en tout cas ce critère du pacte autobiographique, à savoir qu'elle, elle refuse donc la fiction, puisqu'elle dit qu'elle refuse de faire un roman. Ce qu'elle veut, c'est donc se livrer avec naturel et sans arrière-pensée, en toute sincérité. On y reviendra. Alors, que nous apprend-elle sur l'anecdote racontée par Rousseau? Donc, c'est ce qui est dit dans l'introduction. Si la pensée des confessions. Pardon, c'était ça. Monsieur de Franqueuil, à qui Rousseau a volé de l'argent, se trouve être le grand-père de George Sand. Selon Madame de Franqueuil, Rousseau aurait tout inventé afin de se disculper d'autres fautes qu'il n'avouerait pas. Et donc, voilà, on apprend que, en tout cas, selon la famille de George Sand, selon Monsieur et Madame de Franqueuil, l'histoire qui a été racontée par Jean-Jacques Rousseau, de cette histoire de l'opéra et tout, serait en fait complètement fausse et complètement inventée. Alors on va pas là se poser la question, faire une enquête pour savoir qui a raison, qui a tort, est-ce que c'est Monsieur de Franqueuil qui a des problèmes de mémoire, est-ce que c'est Rousseau qui est complètement fou.
C'est pas vraiment l'objet du débat, mais en tout cas, ça rappelle ce que je vous ai dit en introduction sur le fait que quand on évoque quelqu'un dans son autobiographie, parfois cette personne n'a pas du tout le même ressenti, n'a pas la même perception des choses et ne se reconnaît pas dans l'histoire qu'on raconte. Et c'en est un bon exemple. Alors, je vous demandais ensuite une étude paragraphe par paragraphe. Dans le premier paragraphe, comment qualifie-t-elle le projet de Rousseau? Serait-elle capable de faire la même chose? Alors, dans le premier paragraphe, effectivement, elle dit que pour elle, l'idée de Rousseau n'est pas vraiment une bonne idée, puisque pour elle, au lieu d'avouer réellement ses torts, de faire une réelle pénitence publique, c'est-à-dire devant tout le monde avouer ses défauts, ses péchés, et du coup se les faire pardonner, ben, en fait, déjà, ce qu'il avoue comme faute et comme péché, ce sont ben, en fait des choses pas très graves, des torts puérils. Et le texte qu'on a lu de Jean-Jacques Rousseau en est un bon exemple, puisque effectivement, le coup de l'adolescent qui vole de l'argent à quelqu'un qui l'a invité, et puis qui fait une bêtise parce qu'il n'a pas trop réfléchi, etc. Non, effectivement, c'est pas non plus une erreur grave et vraiment intéressante. Donc voilà. Et donc si elle ne le fait pas, en fait, de raconter toutes ces petites erreurs de jeunesse, toutes ces bêtises que l'on peut faire, ce n'est pas parce qu'elle est lâche, c'est pas parce qu'elle a peur du regard des autres, hein. Elle parle de couardise. La couardise, c'est le fait d'être lâche, c'est l'inverse du courage. Mais c'est parce qu'en fait, pour elle, c'est une fausse humilité, c'est faire semblant de se montrer comme quelqu'un qui reconnaît tout, alors qu'en fait, on fait tout l'inverse. Pour elle, Jean-Jacques Rousseau cherche une fois de plus à se mettre en avant, à se valoriser en fait à travers cette figure de l'homme qui, contrairement aux autres, est capable de tout assumer. Dans le deuxième paragraphe, je vous demandais pourquoi, selon elle, Rousseau s'accuse-t-il ainsi. Du coup, on peut se demander effectivement pourquoi Rousseau s'invente des torts, pourquoi il décide dans ses confessions de raconter toutes ses erreurs. Donc selon elle, là aussi, hein, c'est l'avis de George Sand sur Jean-Jacques Rousseau. Ce qui l'a poussé à faire ça, à exagérer ses erreurs de jeunesse, etc., c'était parce que c'était une façon en fait d'attirer le regard vers des erreurs voilà, faciles à pardonner. Et de du coup cacher les défauts, les vices beaucoup plus graves qu'il avait et dont il ne parle pas du tout dans son autobiographie, puisque effectivement à cette époque ses ennemis l'accusaient, par exemple on lui reprochait d'avoir écrit un livre sur l'éducation des enfants alors que lui-même avait abandonné tous ses enfants. Donc c'est vrai que ça pose un certain problème. Et là aussi, mais il n'en parle pas du tout dans ses confessions. Et donc c'est pour ça qu'elle dit qu'au final, il se valorise puisque il ne révèle pas ses vrais défauts et c'est là qu'il oublie de s'accuser et c'est donc là qu'il apparaît comme quelqu'un de pur. Et donc cette façon de faire est du coup encore, c'est ce qu'elle dit dans le troisième paragraphe, quelque chose de très vaniteux. La vanité, c'est le fait, encore une fois, de vouloir se mettre en avant, d'être prétentieux, de vouloir attirer les regards sur soi. Donc, je vous demandais pour le troisième paragraphe, pourquoi elle désapprouve le projet de Rousseau? On retrouve encore cette idée d'orgueil que vous avez sans doute étudiée l'année dernière, si ce n'est pas avec moi, c'est avec un autre professeur dans le cadre de la thématique confrontation des valeurs. L'orgueil, c'est le fait de penser qu'on est plus important que les autres, qu'on a un ego démesuré, qu'on est quelqu'un. Voilà, moi je suis quelqu'un, les autres, eux, sont moins importants que moi, donc ils ne méritent pas que je fasse attention à eux. L'orgueil, c'est l'inverse de l'humilité. L'humilité, le fait d'être humble, ça veut dire étymologiquement humus, l'humus. En français, c'est le sol, c'est le fait de se sentir près du sol, c'est d'avoir conscience en fait qu'on n'est rien du tout, qu'on est un grain de sable sur la plage, une goutte d'eau dans l'océan, et qu'on ne mérite pas tellement d'attention ou d'égard. Donc pour elle, voilà, le fait de se mettre en avant comme ça, de s'afficher avec tous ses défauts, toutes ses erreurs, c'est encore une fois une forme d'orgueil pour montrer que lui est différent des autres, parce que lui, il est capable d'assumer tous ses erreurs. Elle a une idée qui est assez étonnante et intéressante.
sur le fait de chercher à se justifier. Pour elle, quelqu'un qui est innocent ne doit pas chercher à se justifier, puisqu'elle se comporterait d'une certaine façon comme un coupable qui cherche des excuses au crime qu'il vient de connaître, et donc un innocent ne devrait pas s'abaisser à le prouver. C'est ce qu'elle dit, et d'ailleurs, même le coupable ne devrait pas chercher à se justifier, il devrait juste, j'imagine, hein, c'est ce qui est sous-entendu dans le texte, assumer son erreur et voilà, puisque en cherchant à se justifier, comme le fait Jean-Jacques Rousseau, on ajoute à l'erreur qu'on a commise des mensonges et du coup, c'est un peu comme vous quand vous avez fait une bêtise et que vous essayez de mentir pour rattraper le coup et qu'au final vous vous faites engueuler non seulement parce que vous avez fait une bêtise et en plus parce que vous avez menti. Alors on reviendra sur cette idée à la fin parce que je vous avais demandé de réfléchir justement aux arguments qui pouvaient défendre son opinion, son point de vue et ceux que l'on pouvait lui opposer. Ce qui est intéressant, c'est la dernière phrase. Je ne fais point ici un ouvrage d'art, je m'en défends même, car ces choses ne valent que par la spontanéité et l'abandon, et je ne voudrais pas raconter ma vie comme un roman. C'est un grand classique du pacte autobiographique, le fait de refuser justement, donc comme un roman, la fiction. Son but n'est pas de chercher à faire quelque chose d'intéressant, d'agréable à lire, qui aurait du suspense, un début, une fin, mais de raconter sa vie avec spontanéité, donc c'est-à-dire naturel et abandon, comme ça lui vient, sans chercher à s'inventer une personnalité, s'inventer des erreurs, mais écrire au fil de la plume. Bon, honnêtement, je n'ai pas lu Histoire de ma vie de George Sand, donc je ne peux pas vous dire si effectivement son roman est plein de spontanéité et d'abandon, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quelque chose qui revient systématiquement dans les autobiographies. Donc pour finir avec ce texte, je vous demandais justement de réfléchir sur le fait, sur l'idée de George Sand qu'un innocent ne doit pas chercher à se défendre. Donc j'ai trouvé plusieurs arguments dans ce sens-là, puisque c'est un peu comme l'idée de la victime et de l'accusé, c'est-à-dire qu'une victime ne doit pas chercher à prouver qu'elle est victime, hein, c'est à l'accusé de prouver qu'il est innocent, mais pas l'inverse. Et là, c'est un peu la même chose, c'est au coupable de se défendre, pas à l'innocent. Si on commence à se justifier, on se comporte comme un coupable. Effectivement, si on commence à argumenter, à se trouver des excuses, à dire des choses, eh bien, on peut donner l'impression qu'on a vraiment commis la faute et qu'on se cherche des excuses. Deuxième argument, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est qu'en cherchant à se défendre, on peut se tromper, faire une erreur sur un détail. Souvent, c'est quelque chose d'assez anodin. Mais ça va être utilisé par les gens qui nous accusent et qui nous croient coupables pour du coup décrédibiliser tous nos arguments. Et souvent, donc, les hommes politiques se font avoir par ce genre de choses, puisque en cherchant à se défendre, c'est là que ils révèlent en fait une petite erreur qui va ensuite casser tous leurs autres arguments. Et enfin, en cherchant à se défendre, on entretient le débat. En l'ignorant, les attaquants vont se lasser et finir par s'arrêter d'eux-mêmes. C'est souvent hein, ce qu'on dit, c'est vrai que c'est l'idéal quand on est harcelé par quelqu'un, quand quelqu'un nous cherche des problèmes, en refusant en fait de rentrer dans le conflit, la personne ne va pas s'obstiner en fait. C'est impossible de s'obstiner à se mettre en colère, à attaquer quelqu'un qui refuse de répondre. Mais là, ça demande énormément de self-control, puisqu'évidemment, quand on est accusé injustement, c'est intenable et c'est vraiment très difficile de réussir à faire front et à ignorer les attaques que l'on subit tout en étant persuadé de son innocence. Ce qui nous conduit du coup à réfléchir au point de vue opposé à celui de George Sand, à savoir qu'un innocent, bah oui, il doit quand même chercher à se défendre, puisque, comme je viens de le dire, c'est vraiment très difficile d'être accusé à tort. L'injustice, c'est toujours quelque chose de difficile à vivre quand on est témoin d'une injustice, mais encore plus quand on la subit. Et du coup, c'est très difficile de ne pas réagir quand on est accusé injustement. De la même façon, on se souvient de ce que Marat disait dans son texte, hein, de la séance 2, que s'attaquer à
à quelqu'un, c'est aussi une façon de s'attaquer à ses idées, à la cause qu'il défend. Et donc, si on ne se défend pas, eh bien, c'est pas seulement soi qui est attaqué, hein, c'est la cause. Et du coup, le fait de ne pas se défendre, eh bien, ça peut atteindre la cause que l'on soutient. Et enfin, pour beaucoup de gens, le silence est un aveu. Vous connaissez peut-être le proverbe « qui ne dit mot consent ».